Coucou tout le monde. J'espère que vous avez le smile. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je porte un petit chapeau de Noël puisque ça va être une vidéo sur le thème de Noël. Aujourd'hui je voulais vous présenter un peu ma wishlist au Père Noël. C'est vrai que je fais pas ce genre de vidéo d'habitude parce que je trouve que c'est sans intérêt. Mais en fait cette année, ce qui s'est passé, c'est que, comme le dit la chanson de Mariah Carey, I want for Christmas is you. Donc tout ce que je veux pour Noël c'est toi. Ça m'a grave inspirée. Je me suis dit, mais en fait Stéphanie, t'as pas besoin d'avoir des Balenciaga, un chat Louis Vuitton pour être heureuse. Il y a tellement de choses immatérielles que je pourrais avoir et qui me rendraient tellement heureuse. Et du coup c'est pour ça que je voulais mettre aussi ça dans ma wishlist, parce que pour ceux qui savent pas, en fait je suis née le 24 décembre, du coup c'est un peu en même temps que Noël. Voilà, c'est un peu la merde chaque année, genre chaque année je me retrouve avec deux cadeaux. Ta trou était vraiment très très longue, je m'en excuse. J'ai quand même mis des trucs matériels dedans, mais en fait j'ai mis dans cette vidéo. Après, si un proche passe par là, bon, je dirais pas non hein, pour qu'on m'offre ces produits là. Mais bon, je vais pas demander ça à mes proches parce que enfin, il y a des trucs, c'est vraiment hors de prix. Et en fait, je sais pas, je pense cette année je vais rien demander. On va voir ce que les gens m'offrent ou pas. J'ai commencé par tout ce qui est matériel. Donc la première chose que je voudrais, c'est une voiture rouge pétasse. Moi je m'en fous de la marque, tout ça j'y connais rien. Moi du moment que j'ai une voiture qui roule, peut-être si possible avec une boîte auto, parce que je suis pas très douée pour conduire. Bon, ça m'a saoulée. Voilà, au revoir. Et donc ensuite, la deuxième chose sur ma wishlist, c'est pas vraiment quelque chose de matériel, mais ça serait un mec, parce qu'en fait il commence à faire froid. Moi je me retrouve le matin, il fait 4 degrés, je dois avoir une grosse doudoune, j'ai aucune dégaine et j'ai encore froid. Donc franchement ça peut plus durer, les chauffages ça devient trop cher, de préférence pas trop moche, pas trop chiant. Et puis voilà, c'est tout, je vais pas non plus trop en demander. Ensuite donc la troisième chose que je voudrais pour Noël ou pour mon anniversaire, ce serait donc, là c'est quelque chose de matériel, mais une palette de maquillage. Je compte pas mettre beaucoup de budget dans une palette, parce que je voudrais acheter une palette qui propose des couleurs colorées justement. Non mais vraiment des couleurs du genre rose, bleu, comme là j'ai sur mes petits yeux. Voilà, je voulais faire un petit maquillage de Noël, ça fait penser un peu au flacon, tout ça, c'est cool. Bref, donc toutes les couleurs, vraiment une palette comme ça je vais pouvoir m'éclater au niveau des maquillages. Bon, je vais remettre mon petit serre-tête parce que là, mes cheveux, ça me... Putain, on dirait le mec là dans Charlie la chocolaterie. La quatrième chose que je voudrais, bon je l'ai mis vite fait dans ma wishlist parce que c'est vraiment un truc qu'il me faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont des jeans taille haute. Mais du coup voilà, des jeans taille haute skinny ou même des jeans taille haute tout court. Parce que en fait mes anciens me vont plus parce que j'ai grossi, yes. Et franchement tout à l'heure d'ailleurs j'étais outrée, alors je sais pas si c'est moi qui a grossi. Bon je sais que j'ai grossi mais quand même. Mais j'étais chez Zara. Dites-vous qu'il y a des marques quand même, je rentre, déjà j'ai encore des pantalons en XS où je rentre dedans, mais bon c'est des trucs larges. Et là j'étais chez Zara, j'ai essayé un jean taille haute en 38 en sachant quand même que j'ai la taille marquée. Le truc était trop petit en 38 alors que j'ai encore des pantalons, en général j'ai encore des jeans en 36 et j'ai même des pantalons en XS qui me vont encore, et là du 38 ça me va pas. Donc en gros je dois prendre du 40. Waouh, genre limite je sais même pas si le 40 aurait pu m'aller quoi, en sachant que normalement en taille américaine je mets du 27 et là genre je devais prendre du 40. Enfin pardon, j'ai l'impression que genre les magasins veulent nous imposer à nous les femmes, mais de plus en plus fines. Du coup voilà pour ça, je passe à autre chose parce que sinon je pourrais rester sur ça pendant la vidéo. Cinquième truc que j'aimerais, alors ce sont des AirPods, tout simplement parce que déjà ça me saoule d'avoir des écouteurs avec des fils, genre tu les mets dans ton sac, ils s'en mêlent tous, on dirait qu'ils complotent. Et puis bon là j'ai vu que les AirPods avaient baissé, enfin logiquement ils ont baissé puisque les AirPods Pro sont sortis. Du coup comme je suis un peu une radine, bah voilà, je pense que je vais les acheter. Et la dernière chose que je voudrais, donc ça c'est pas un truc que je veux tout de suite, mais je préfère prévoir, j'aimerais bien avoir un MacBook. Alors Air ou Pro, je sais pas. Pour faire d'une part mes montages, ça pourrait être plus simple sur un PC portable. Et aussi parce que l'année prochaine je vais aller à la fac. Je pense que pour la fac c'est mieux d'avoir un PC. Alors ensuite je vais passer à tout ce qui est matériel. Vraiment un truc que j'aimerais trop pour Noël, pour mon anniversaire, c'est vraiment genre The Dream. Ce serait qu'il neige à Noël. Ce sera jamais réalisable. Enfin genre en tout cas là où j'habite,
je pense qu'il y a une chance sur 1 milliard pour qu'il neige. Ensuite, donc ça c'est pas forcément pour Noël, enfin il y a des trucs après c'est pas forcément pour Noël, c'est pour après aussi. C'est alors être entouré de personnes que j'aime et bah dire au revoir aux faux culs, parce que les faux culs ça sert à rien, ça t'apporte rien dans la vie à part des emmerdes et des embrouilles. Ensuite donc troisième truc immatériel que je voudrais, c'est de passer un bon moment à Noël, ça c'est le plus important, surtout que moi personnellement, un truc qui me déprime trop c'est que le jour de mon anniversaire en fait je vois personne. Vraiment moi mon rêve c'est de faire mon anniversaire le jour, enfin de fêter mon anniversaire le jour de mon anniversaire avec tous mes potes, vraiment genre ça me ferait tellement plaisir, ça c'est un truc, ça me rendrait tellement heureuse, je vous jure. Ensuite, quatrième truc, être heureuse. Bon, c'est vrai que je suis quand même heureuse dans ma vie. Je pense que je pourrais être plus heureuse que ce que je suis là. Et du coup, bah j'aimerais ouais être heureuse, faudrait que je me comprenne plus. Faudrait vraiment que je trouve aussi vraiment ce que je veux faire, parce que j'hésite encore et tout dans mon choix d'études. Voilà, j'aimerais vraiment trouver bah, tout ça, tout ce qui pourrait... voilà. Tout ce qui pourrait me rendre heureuse. Mes cinquième souhait immatériel, comme c'est mon anniversaire, bah forcément j'aimerais bien être belle, parce que quand même c'est un peu insultant d'être moche à son anniversaire, surtout un 24 décembre. En général ça va, je suis en bombe, non pas que je me trouve moche là, moi je sais que quand je me trouve trop belle et tout ça me rend trop heureuse. Et après je passe 2 heures devant le miroir et je vous jure que vraiment ça c'est vrai hein, des fois je passe 1 heure devant mon miroir à me regarder quand je me trouve trop belle. Là j'ai fait un maquillage, je me suis maquillée à 15h, je vous jure que je vais avoir trop le seum de me démaquiller, déjà de 1 et de 2, je vais me démaquiller mais vraiment au dernier moment, vraiment avant de dormir même. Après, sixième souhait, ce serait que le jour de Noël ou mon anniversaire, bah je veux bien manger parce que j'aime bien la bonne bouffe. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai pris du poids. Voilà, s'il n'y a pas de caviar, moi c'est même pas la peine que je vienne. Non, je rigole, en vrai j'aime pas le caviar. Enfin, je sais pas, j'ai jamais goûté. Non mais voilà, je pense qu'à Noël je vais faire des gâteaux avec des petits sapins et tout. Ah, j'ai trop envie de faire ça, genre vraiment l'esprit de Noël. Avant-dernier souhait, ça serait de voir donc mon entourage heureux et en bonne santé. Parce que bah putain, c'est important. Quand je dis mon entourage, c'est bah, ma famille, mes amis. J'ai des amis, je les aime trop, mais vraiment. Une fois, je me souviens, j'ai une pote, elle se sentait pas bien. C'était par message, hein. Mais je vous jure, j'étais trop mal pour elle. Je commence à avoir les larmes aux yeux, vraiment. C'est horrible. Ça me fait trop mal au cœur, des trucs comme ça. Et mon dernier souhait, ça serait que ma famille soit réunie. Parce que c'est pareil, Noël, en général, je passe avec ma mère. Trop cool. Genre, on est à deux. Super pour le caviar, tout ça, c'est pas très rentable. Avoir un Noël avec plein de gens et tout, ça doit être trop bien, j'ai jamais fait ça et vraiment tous les trucs que j'ai jamais fait j'aimerais trop le faire. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin je l'ai fait surtout pour vous dire, pour passer un message en mode oui, bah genre les cadeaux et tout c'est bien mais il y a plus important dans la vie. C'est pour ça aussi j'ai fait cette wishlist, parce que vas-y, j'aime pas être comme les autres après. Non franchement moi j'aime bien être différente et tout, même si on dit que je suis spéciale parfois, bah au moins je suis pas comme tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Il y a vraiment des gens qui vont me prendre pour une grosse pétasse. Bon, pire, je m'en fous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!